Bonjour les amis, c'est Jean de Dieu Mambanzambi. Ici, je vous présente un tuto qui vous permet d'utiliser les commandes scale au niveau de NetBean, ok? À toutes les fois, on n'est pas obligé toujours de recourir au scale console. Il est aussi possible qu'à partir de notre NetBean, nous puissions exécuter certaines commandes, ok? Je suis là de faire mes projets. Je reviens sur service, ok? Là, je database, je clique là, j'établis ma connexion, je suis en mode connexion, ok, je peux déconnecter et je peux me connecter là, ok. J'ouvre, je vais travailler sur la base de données, chaîne formation, et je crée des tables, ok. Là, on va exécuter une commande. Donc, il est possible de ne pas aller sur MySQL, mais utiliser carrément vos commandes sur cette interface-là. Je vais créer une troisième table. Create table. La table, je vais la nommer table. Je vais la nommer table mouvement, ok? Mouvement. Ok. Il y aura ID mouvement. Ok. ID mouvement est un entier signé sur le positif. In zenith, ok, qui est note nul et auto increment. Increment. Primary key. Ok, je suis pas obligé toujours de préciser primary key ici. Je peux toutefois le préciser en bas de à la fin de ma requête, ou carrément je peux le spécifier là, c'est pas obligatoire. Dans notre cas, nous allons le préciser après. J'aurais besoin de connaître libellé mouvement, c'est juste un exemple, hein? Ok, on va prendre varchar 30. J'aurais besoin de date mouvement. Ok, date move, je le mets, je donne le type date. C'est aussi possible que je prenne date time, ok, vous précisez là date time, ok, mais dans notre cas on va laisser que le type date. J'aurais besoin de connaître encore la personne qui a effectué le mouvement, donc le membre qui a effectué le mouvement, ok. Ainsi, je vais du coup me préciser ma colonne comme clé étrangère ici, c'est ID membre, ok. ID membre qui sera du type int, ok, il sera du type int. Ainsi, je précise qu'il est une clé étrangère. Ok? D'abord, je commence par préciser primary key. Primary key. Ok? Primary key, c'est mon ID là. L'ID qui est là. ID mouvement. Ok? Je le prends carrément. Je viens, je le colle là. Je le colle là. Ok. Je précise la constrainte. Constrainte. Ok. J'affirme que mon ID membre est une clé étrangère dans cette table. Constrainte. FK. ID. ID membre. C'est une clé
et Tanger. Ok? Il va référencer 36 membres. Il va référencer membre ID. Ok? Là, je précise le moteur de Matad. Engine Inno Dog. Je mets point virgule. Mes amis, du coup, ici, nous créons une nouvelle table qui est appelée table mouvement pour laquelle nous avons les colonnes ID. Nous avons colonne libellée. Nous avons date mouvement et ID mouvement. Ok? On va pouvoir exécuter notre requête. On va voir est-ce que c'est vrai ce qu'on nous a dit. On va mettre. Ainsi, mes amis, nous avons là la table mouvement. Ok? Donc, c'est juste pour vous dire que vous n'êtes pas obligé toujours d'aller sur MySQL pour exécuter vos commandes. Mais même à partir de NetBeans, on vous offre cette possibilité-là. Nous avons notre table mouvement dans lequel nous avons ID mouvement, nous avons libellé mouvement, date mouvement et ID membre. Ok? Du coup, ce que nous allons faire, c'est que on va modifier une colonne, le nom d'une colonne ici. Par exemple, je ne voudrais pas que ce soit ID membre comme ça. Date mouvement comme ça. Je vais modifier le nom de la colonne. Je reviens là. À la fin de ma première requête, je peux la mettre comme ça. Comme ça. Ok? Je viens là. Je vais modifier la colonne date mouvement. Je veux carrément mettre date parce que je suis dans la table mouvement. Je sais que date là sur la date mouvement au lieu d'écrire encore date move. Je vais modifier là. Juste, je vote ça pour vous permettre et pour que vous puissiez savoir que ce n'est pas seulement sur MySQL client qu'il faut exécuter ce commande. Même à partir de NetBeans, on peut le faire. Je vais altérer ma table. Table mouvement, ok. Je vais altérer ma table mouvement. Je vais modifier quoi? Modify, ok. Donc, ici, je ne modifie pas le type. Je vais changer le nom de la colonne, ok. Carrément, je vais mettre change colonne, ok, mes amis. Date, cette colonne-là. Date. Date mouvement. Date. Je vais mettre là. Ceci. Date carrément comme ça. Je le laisse avec ce petit trait-là. Ainsi, je spécifie le type. Comme c'est, je suis en train de changer. Je ferme, je peux exécuter. Du coup, mes amis, on revient pour voir la modification. On va refresh. Du coup, mes amis, vous voyez, le nom a changé. Je n'ai pas encore date. Sur là, je n'ai pas date move, j'ai cette fois-ci date avec les underscores. C'est moi qui ai permis que ça soit comme ça. Ok, donc ici vous avez la facilité de faire vos commandes SQL. Ok, pas mal de changer le type d'une colonne.
ou ajouter une colonne. Ainsi, vous voulez ajouter une colonne, vous pouvez venir sur en altérant la table, alter table, mouvement, ajoute colonne. Ok, par exemple, je vais ajouter la colonne nombre mouvement. Ok, nombre mouvement. Ok, on sait que nombre c'est un entier. Vous pouvez faire ça pour ajouter une colonne. Ok, en exécutant cette requête là. Ou vous avez la possibilité de venir là sur la table. Clic droit. Ok, clic droit, là on vous permet add colonne. Vous cliquez là. Ainsi, vous donnez le nom de votre colonne. Dans notre cas, c'est quoi? Dans notre cas, c'est quel est le nom que nous avons donné là? Nombre mouvement. Nombre mouvement. Ok? Il sera de quel type? Je précise là, le type, le même type que j'ai mis là, c'est un integer. Int là. Ok? Vous pouvez préciser size et autre. Est-ce que il sera unique? On vous pose la question. Parce que même là, si vous laissez 1000, ça veut dire on peut avoir dans cette colonne plusieurs valeurs qui sont le même. Ou c'est unique, ça veut dire on n'aura pas de doublons. Ok? Mais dans notre cas, il y a des membres qui peuvent effectuer le même nombre de mouvements. Alors, on ne sera pas obligé d'ajouter ou de retrancher un des mouvements qu'un membre a réalisé parce qu'ils sont à deux et que le nombre de mouvements sont le même. Non. On laisse carrément 1000 parce qu'on peut avoir plusieurs membres qui ont effectué les mêmes mouvements. Mes amis, si vous passez comme ça, ainsi, vous ajoutez la colonne. Du coup, ici, notre colonne est ajoutée. Ok? Ou carrément, on peut la diluer là-bas. On dilute la colonne. Ok? On procède par l'ajouter de cette façon-là. C'est toutes les possibilités que je vous donne pour que vous puissiez y parvenir. Ok? Je reviens pour voir si réellement ma colonne est ajoutée. Je vais refresh, actualiser ma table. Et ici, j'ai le nombre mouvement qui est là. Ok? J'ai le nombre mouvement qui est là. Ainsi, je peux insérer dans cette table. Ok? Je viens là. Comme on a l'habitude de le faire. Insert into. Ok? Insert into quoi? Insert into mouvement. Insert into mouvement. Values. Ok? Je vais mettre mes valeurs. Je vais mettre la default. Ok? Parce que l'ID est auto increment primary key. Ok, mes amis? Du coup, je remarque une chose. ID membre n'est pas signé ou n'est pas affirmé comme clé étrangère dans cette table. Alors, il faut que je me rende compte que c'est là. Là, la colonne est déjà créée, mais on n'a pas tenu compte des contraintes que nous avons ajoutées là. On va cette fois-ci réexécuter pour voir cela avant d'insérer dans nos colonnes. Ok? Je mets là. Alter. Je vais altérer ma table. Ok? Je vais altérer ma table mouvement. Je vais altérer ma table mouvement qui ajoute la constrainte. Constrainte.
Constraint, ok. Contrainte, c'est FK. FK qui est la clé étrangère. Dans notre table, nous avons ID. ID membre. Ok. Cette fois-ci, c'est une clé étrangère. Forêt in key. Ok. La clé étrangère, c'est ID membre. Ok. Cette clé étrangère est dans la table mouvement, mais qui a pour référence la table membre. Ok. Voilà pourquoi on parle de contrainte d'intégrité référentielle. Ok. Il va référencer membre. Dans membre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le ID. Ok. Ainsi, on va exécuter notre répète pour voir. Il y a un problème. Le problème, c'est que on nous écrit là, check that manual correspond to your MySQL server version 4 et tout ce qui est là. On nous dit que on doit vérifier, il y a un petit problème. Alter, table mouvement, A, DD constant, FK, Coring, ID, membre. Et c'est comme ça que cela est dans notre table. Je vais actualiser. Je revérifie. Ok. Je revérifie là. Est-ce que il remplit toutes les conditions, cette colonne-là? Il ne remplit pas toutes les conditions. Parce que notre ID était int, signé sur le positif, ok, et il était not nul. Faut préciser cela. Ok. Donc, on va altérer la table en ajoutant d'abord la colonne. Ok. On va modifier cette colonne-là. Le type de la colonne ID membre dans la table mouvement. Je vais mettre alter. Mes amis, jusque-là, ici, je suis que dans l'aspect du langage SQL, l'aspect de définition des données. Donc, je suis en train de définir la structure de ma base de données. OK? Alter table. Je vais altérer table mouvement. Est-ce que c'est comme ça qu'on a été mouvement? Ok. Alter table mouvement. Modify. Modify. Ok. Il va modifier le type de la colonne ID. Je vais cliquer glisser là. Il vient. Cette fois-ci, il est int. Ok. Mes amis, c'est int signé sur 10. Qui est Zenith signé sur le positif, note nul. Ok? Note nul. Je vais exécuter la requête là. On me dit qu'il y a un petit problème. C'est quoi le problème? Je viens de vérifier. Je vais actualiser. Ok. Du coup, vous voyez, membre est là. ID membre est cette fois-ci déclaré comme clé étrangère. Ok. Voilà. Il est différent de les autres colonnes. Là-bas, c'est bleu, là-bas, c'est rouge, clé primaire, ici, c'est vert, clé étrangère. OK? Ainsi, on peut insérer dans cette table. Donc, quand on peut revenir sur MySQL pour plus d'exemples, on veut cette fois-ci, show tables. Nous avons trois tables. La table mouvement est ajoutée. OK?
la table mouvement est ajoutée. On va voir la description de la table. Description mouvement. Description mouvement. OK. Nous avons là ID membre qui est nul. Ça veut dire cette fois-ci, il est clé étrangère, mes amis. OK. Ainsi, on revient. Notre souci, ce n'est pas de travailler avec MySQL, mais pour plus d'exemples et pour plus de clarté, voilà pourquoi nous sommes venus ici, pour ceux-là qui sont déjà habitués avec MySQL. OK, on revient. Ainsi, on va insérer là, nos données dans la table là. Nous avons combien de colonnes? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Et nous insérons dans quatre colonnes parce que notre ID mouvement, nous l'avons déclaré, est auto-incrément. Donc, il sera en train de s'auto-incrémenter. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Okay? On va insérer les valeurs dans libeller mouvement. OK? Les mouvements, ça peut être les entrées, ça peut être les sorties. OK? Dans notre cas, ça peut être les entrées qui se sont effectuées. Alors, on doit insérer ça. Nous avons besoin de connaître que le membre a fait autant d'entrées, autant de sorties, c'est ça, le mouvement. Libérer le mouvement, on va écrire par exemple là, sortie de matériel. Sortie de matériel. C'est comme ça? Intérieur. OK? C'était sortie de matériaux, la date. Ici, comme la date est là, mes amis, je vous conseille de prendre souvent, pour plus de clarté, la date du système. OK? Et pour l'intérêt du système, on peut prendre la date courante, date système. OK? Il y a plusieurs manières de prendre. On peut mettre 6 dates. OK? 6 dates. Date. Je mets là comme ça. OK? Ou carrément, je peux mettre pire date. OK, mes amis? Ou je peux mettre no, OK, simplement comme ça. Ainsi, vous avez la possibilité d'insérer la date du système. Moi, je veux prendre 6 dates. OK? Il ne faut pas les mettre entre côtes, mes amis, parce que ce n'est pas une chaîne de caractères. OK? Il ne faut pas les mettre entre côtes. Les 6 dates là. Laissez-les comme ça. OK? Il ne faut pas mettre les entre côtes. Je veux mettre les ID membres. C'est le membre numéro 1 qui a effectué ce mouvement. OK? Combien de mouvements il a effectué? À la fois, il a effectué un mouvement. Je ferme. OK? Je ferme, j'exécute. Ma requête. OK? Une ligne est affectée. OK? On va voir. On va sélectionner. Select all from mouvement. Movement. OK? Je fais ceci. On voit qu'est-ce qui est affecté. Mes amis? Waouh! On a commis l'erreur, on a inséré deux fois, OK? Donc, vous savez, quel que soit qu'on a inséré deux fois, c'est les ID qui va différencier, OK? OK? Les ID qui va différencier. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons sorti des matériaux. La date, c'est la date d'aujourd'hui. OK? ID membre, c'est le numéro 1. Et le mouvement, c'est 1. Mais est-ce que ça
Est-ce que quelqu'un peut comprendre quelque chose ici? C'est du chat, on dirait du superficiel. Quand ce qui n'est pas, on doit connaître le membre qui a exécuté ce mouvement. On n'a pas besoin de connaître le numéro 1. Ça, c'est nous, les programmeurs, nous, les administrateurs, qui ont besoin de connaître ça ou qui connaissent ça. Mais l'utilisateur, lui, ne connaît pas ça. Voilà pourquoi nous devons faciliter l'utilisateur. Ainsi, on va faire une commande. La commande va s'établir entre la table, entre nos tables-là, table mouvement et membre, pour connaître le membre qui a effectué le mouvement. Ok? Je viens là. Vous voyez que nous sommes en train de tout faire avec NetBean. Au niveau de NetBean. Mais, de même, les mêmes actions s'exécutent au niveau de MySQL si nous revenons. Et que nous voulons sélectionner par exemple là. Select all from movement. De même, ce sont mes amis. Ok? Les mêmes actions. On revient là. Ce n'est pas ça notre souci avec MySQL. On veut savoir quel est le membre là. Le membre là, c'est quel membre? On veut les connaître. Ainsi, on vient, on va sélectionner. Qu'est-ce qu'on va sélectionner ici? On va sélectionner le ID membre, ID mouvement, ok? Là, je vais cliquer glisser, libeller, date, ok? Nombre, mouvement, ok? On veut aussi connaître le nom du membre et son adresse même. Pourquoi pas son numéro de téléphone? Ok? Là. Ok? Ainsi, on va mettre phone, movement, movement as M, je sais déjà que c'est MV, je sais que movement, ok? Qui va rejoindre notre ami membre. Ok? Je sais que quand je mets as M, c'est membre. On. On MV. Point. ID. Membre. Ok? Égal. A. M. Point. ID. Ok? Je suis là, donc on va les sélectionner comme ça. On exécute d'abord pour voir les résultats. Comment est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui se passe? Une colonne affectée, mais on n'a pas affiché. Pourquoi? Pour notre requête, la requête est là. On va exécuter. Oh là 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 là. Il faut mettre la suite là en commentaire pour que j'en puisse pas être pris en compte. Ok? Ok, je vais mettre ça en commentaire. C'est comme ça qu'on met en commentaire sur ce qu'il faut exécuter. Ce n'est pas le anti-slash, ok? Il ne faut pas venir mettre les anti-slash ici ou les slash et autres pour mettre en commentaire. Ok? C'est des traits comme ça. Ce que nous avons déjà inséré. Tout. Cette fois-ci, nous voulons exécuter celle-là.
Nous avons c'est le Tatu Shimba. Ok? C'est le membre Shimba qui a fait effectuer tous ces mouvements-là. Nous avons son adresse et nous avons son téléphone. Mes amis, vous voyez? De même, si on part avec la même requête ici, sur MySQL, elle s'exécute correctement de la même façon. Ok, mes amis? Du coup, la même chose s'est répétée là. Nous avons le numéro 1. Donc, premier mouvement, on s'était sorti de matériaux. La date, c'est la date d'aujourd'hui. Nombre de mouvements, il a effectué qu'un seul mouvement. Ok? Le nom du membre qui a effectué, c'est Shimba. Et son adresse, excusez, comme on n'avait pas mis, à partir d'ici, comme on n'avait pas mis nos instructions en commentaire, il a répété une série en tout là autant de fois, ok? Je sais que vous voyez là, autant de Shimba, les mêmes informations répétées, ok? Vous allez nous excuser pour ça. Et ainsi, mes amis, vous avez la facilité de faire beaucoup de choses sans aller sur console ou le client MySQL. Ok? NetBean vous offre cette possibilité-là. Vous pouvez établir des connexions ici. Vous pouvez carrément faire comme ça et commencer à créer un formulaire pour ça. Ok? C'est trop facile. Si vous rentrez sur nos vidéos précédentes, vous allez voir ce que nous sommes en train de faire des formulaires et faire ce genre de choses. À la prochaine, on pourra encore parler. Merci les amis. À tout à l'heure.